Aujourd'hui dans Code Food, je vais faire un plat très facile qui vient de la Grèce avec un ingrédient de chez nous. Je vais faire une salade grecque avec des petites patates grenailles. Et c'est bien de commencer avec la chose qui dure le plus longtemps, et dans ce cas-ci, c'est cuire les pommes de terre. Un petit peu d'eau et de sel et cuire pendant 10 minutes au micro-ondes. Et maintenant, trois légumes très importants pour la salade grecque, un concombre, de la tomate et de l'oignon rouge. Ceci peut aller dans une assiette et puis je vais assaisonner avec un peu de sel et poivre, un peu d'huile d'olive, du vinaigre de vin rouge et puis bien mélanger le tout. C'est important de bien tout mélanger, que tous les goûts puissent bien s'imprégner dans les légumes, comme ça, ça peut un peu mariner. Les pommes de terre sont prêtes. Et ensuite, je vais vite les égoutter. Et quand elles sont encore bien chaudes, elles peuvent aller dans l'assiette. Et immédiatement mélanger, parce que des pommes de terre bien chaudes, ça absorbe beaucoup de goût, et c'est ce qu'il faut. Une herbe très importante dans la cuisine grecque, de l'origan séché. Évidemment de la feta. Et pour terminer, des olives grecques. J'ai fait cette salade la semaine passée pour la première fois. J'avais une énorme gueule de bois, il faisait très chaud et ça m'a vraiment bien goûté. Je voulais partager ceci avec vous. Donc likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, partage cette vidéo avec tous tes amis, clique sur la petite sonnette pour être au courant de mes nouvelles vidéos et je vous vois très bientôt. Bon appétit! Le Supreme Chef de Whirlpool est une bête. Est-ce que tu as envie de remporter ce micro-ondes d'une valeur de 300€ pour la cuisine de ton cote? Clique tout simplement sur le lien ici en dessous. Il y a deux possibilités de participer, suis-moi sur Instagram ou abonne-toi à ma chaîne YouTube. En faisant les deux, tu augmentes évidemment tes chances de gagner. Le concours s'arrêtera le vendredi 5 octobre à 20h et le ou la gagnante sera donc tirée au sort. Bonne chance!